Chic Food TV, émission y a bien, cause à fêter, Beloubou y a bien, qu'on raté des vacances y a bien, oh oh. À bien. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Très aimé de vous avoir encore trop nombreux au travers notre numéro. Les heures d'État, maison mes dévots. Nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus. Nous bénissons encore cette opportunité que l'Éternel, le Dieu de gloire, nous a accordée encore. Et être encore au-devant vous, encore cette journée ou pendant ce jour que vous nous recevez, ça dépend de l'air que vous nous prenez. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'air que vous nous rejoindrez pendant ces moments. Vous êtes dans la pause, dans votre restaurant, dans votre maison, petit salon, vous êtes en train de prendre un petit déjeuner. Que le Dieu Tout-Puissant soit notre et votre Dieu aussi encore. Voilà, aujourd'hui nous voulons partager quelque chose que Dieu nous a mis au cœur avec vous. Comme l'accoutumé, nous ne pouvons pas commencer sans avoir lieu ces moments entre les mains de l'Éternel. Vous baissez votre tête là où vous êtes, ou là où vous nous rejoindrez. Nous voulons prier. Seigneur de gloire, merci pour l'opportunité que tu nous approches encore devant ton peuple, devant ma sœur, mon frère, qui me reçoit pendant ces moments. Laisse que le Saint-Esprit disponibilise encore ces moments, afin que nous puissions partager ce que tu as mis au-delà de nous, soit au milieu de nous, prendre contrôle de tout pendant ces moments, avec le mandat qui nous a été donné, doté même. Je prends l'autorité pour chasser et mettre en anathème tout ce qui ne confesse pas ton nom, Elohim, pendant ces moments, au nom de Jésus. Mais laisse que le Saint-Esprit soit permanent pour nous révéler encore des choses que nous ne connaissons pas, que nous ne parlons pas, mais que tu parles à notre place, au nom de Jésus-Christ qui est puissant. Amen. Si tu n'es pas exposé, tu peux acclamer encore l'Éternel là où vous nous recevez. Que Dieu vous bénisse. Voici, aujourd'hui, nous allons partager sur un petit thème que Dieu nous a donné. Nous allons partager sur un bon thème qui va vous faire aussi du bien. Nous bénissons premièrement Maman Shimem avec l'initiative de notre chaîne YouTube Chic Food. Que Dieu bénisse. Je vois Papa Michel. Je lui bénis aussi avec toute la famille. Que Dieu vous bénisse et vous notez le spectateur. Notre thème de ce jour, c'est ne craignez rien, ne craignez rien, ne craignez rien. Il ne faut pas avoir peur de la vie, il ne faut pas avoir peur de la situation, il ne faut pas avoir peur de ces dossiers qui date depuis longtemps, il ne faut pas avoir peur pour ces documents qui manquent encore, il ne faut pas avoir peur. Comment est-ce que les enfants vont aller à l'école, comment est-ce que la vie va à l'avant, comment est-ce que vous allez vous nourrir. Si vous entrez dans l'écriture, dans la Sainte Bible, vous allez remarquer ces mots ne craignez rien, ne craignez rien. Et répéter, ou la répétition de ces mots ou d'un terme dans les Écritures, dans la Bible, affirme ou montre la certitude de cette chose-là que Dieu a parlé. Comme Dieu n'est pas un homme ou un fils de l'homme pour mentir, il est toujours fidèle, même si nous y sommes infidèles, mais lui reste fidèle. Ces mots ne craignent rien dans la Bible et répétés plus ou moins 365 fois. Si vous prenez l'année, nous avons 365 jours. Cela nous prouve la suffisance de dire que du jour au jour ou chaque jour, comme la Bible dit, il renouvelle sa bonté du jour au jour. Cela veut dire aussi chaque jour, il y a un ne craignez rien
dans ta vie. 365 fois dans la Bible, 365 jours pour une année. Voilà comment notre Dieu est merveilleux. Voilà comment est-ce que notre Dieu est tellement bon. Vous êtes à deux, vous êtes à trois, là où vous êtes. Tu peux parler aussi à la personne qui est tout près de vous. Ne craignez rien. Pourra décider de rentrer en Égypte, ce qui sera une sacrilège. Où serait la force ou la grandeur de notre Dieu? C'est pour cela que Dieu choisit un autre chemin de faire passer les enfants d'Israël. Arrivé sur le pied de la montagne ou devant la mer rouge, il devait prendre le chemin du désert. Dans le chemin du désert, là où Moïse était comme le guideur, qui devait les guider. C'est un chemin que les enfants d'Israël n'ont jamais passé. Si vous rentrez auparavant, vous allez savoir quelque chose ensemble avec moi, que les enfants d'Israël, depuis qu'ils ont été enfants d'Israël, ils n'ont jamais fait un combat. Ils devaient apprendre comment se battre, comment garder l'héritage que Dieu leur accordera. L'héritage, c'était la terre promise, le pays qui coulait le lait et le miel. Alors, en chemin, arrivé devant la mer rouge, la Bible avait bien dit, et Dieu avait bien parlé à Moïse, « Je t'envoie chez Pharaon, mais j'endurcirai le cœur de Pharaon pour dire une mission très difficile à accomplir. » Dieu t'envoie, mais il se lève encore comme obstacle devant toi. Il dit, « Je vais endurcir le cœur de Pharaon. » Nous savions tout ce qu'il y a eu dans le pays d'Égypte, dans la maison de Pharaon. Après beaucoup de preuves, beaucoup de plaies, et Pharaon décida de libérer le peuple d'Israël à leur sortie. Il les a laissés. Mais après un moment, vous allez comprendre avec moi que ce n'était pas Pharaon lui-même qui s'est levé de lui-même tout d'un coup. Non. C'était ses conseillers, ceux qui étaient tout près de lui, qui dira, mais qu'est-ce que tu as fait, roi? Tu as laissé les Hébreux partir, mais qui vont continuer ou qui vont acheminer l'œuvre qu'ils ont commencée? C'est à ce moment-là que Pharaon s'est attaché à prendre tout ce qui était comme son armée. La Bible déclare. Donc, il avait pris tout ce qui était comme son armement, ce qui était qui faisait la force d'Égypte dans l'ancien temps. L'Égypte était un pays très fort par rapport à d'autres pays, mais il n'a plus un pays africain. Voilà. Notre problème n'est pas là. Israël connaissait la force de l'Égypte et la force de Pharaon. La Bible dit, lorsqu'ils ont levé les yeux devant la mer rouge, ils se trouvent devant un obstacle très grand, majestueux, la mer rouge. Il n'y a pas un bateau, même pas un pirogue, même s'ils pouvaient utiliser des pirogues pour franchir à l'autre côté. Ils devaient utiliser combien? Il était au nombre de combien? Et ça devait se passer comment? Oh, Dieu nous dit dans le Seigneur. Parfois aussi, tu te trouves dans des cas pareils comme l'Israël devant la mer rouge. Et derrière toi, il y a une armée qui te poursuit. La sortie a été déjà faite, mais il y a encore une poursuite qui te suit après. Peut-être que tu as jugé bon de quitter le pays, tu n'es plus avec nous. À Kinshasa ou à la RDC, là où tout le monde dit Mboka Elengi, au travers de tout ce qui se réalise, tout ce qui se passe dans notre pays, nous on est là, jusqu'à ce que aussi Dieu va nous faire grâce comme vous. Mais parfois tu as quitté la terre de tes aïeux et tu te trouves trop loin avec nous, mais tu trouves encore, il y a de lacunes, il y a des obstacles, il y a des choses qui ne s'évoluent pas.
Mais parfois, tu avais dit que non. Le jour où je serai hors ou à l'extérieur du pays, peut-être les choses iront dans le bon sens. Mais présentement, les choses ne marchent pas comme tu avais envisagé, comme tu avais pensé. La main puissante de notre Dieu soit votre partage au nom de Jésus. Le Dieu qui a accordé la délivrance devant Israël, le Dieu qui nous appelle de ne pas avoir peur devant nos ennemis, de ne pas avoir peur devant les obstacles de la vie, devant les épreuves, que ce Dieu-là puisse t'accorder sa faveur, car sa faveur, nous ne l'avons pas méritée. Il le fait à celui que son cœur désire. Pendant ces moments, que tu sois aussi l'une des candidats ou candidates, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que les chemins s'ouvrent devant toi. Au nom de Jésus, que des portes s'ouvrent devant toi. Là où tu as été rejeté, que le Dieu de grâce te fasse grâce. Cette situation, que le Dieu de bonté puisse te lever, au nom de Jésus. Sois béni, que tu changes l'histoire de ta vie, que tu changes l'histoire de ton projet, de tes enfants, les études de tes enfants, tes études aussi, ta fiançaille, au nom de Jésus-Christ qui est puissant. Ton travail même, la main puissante de notre Dieu soit votre partage, que dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, que nous avons ici prié avec une multiple action de grâce, que nous disons Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous sommes au bout de notre émission Les ailes de ta maison. Nous vous saluons tous au nom de Jésus et nous vous remercions pour votre attention que vous avez portée. C'est bel et bien votre humble serviteur, l'évangéliste Isaac Lucin de Tanfoutou. Nous bénissons toutes les familles qui nous ont suivis et qui prêtent attention dans ce que nous sommes en train de faire. Que le Dieu de gloire se souvienne aussi de vous. Nous bénissons chez Kefoud, Nashman et tous les autres. Abonnez-vous encore massivement dans notre chaîne. Que le Dieu de gloire vous soutienne. À la prochaine numéro. Bye, que la paix de Dieu soit avec vous. Thank you.